Il me semble qu'avec Dash Faction, je crois que t'as un multi intégré, il me semble. Donc à voir comment ça peut marcher. Ah, elle a beaucoup quand même. Je vous rappelle que je suis détenteur du permis de conduire. Si vous vous demandez et que vous aviez un peu peur, je vous rassure. C'est ta faute! Regardez bien, Parker. Vous ne reconnaissez pas d'anciens amis? Si, c'est tous les spécimens ne réagissent pas bien aux injections. Mais qu'importe, les échecs sont eux aussi riches d'enseignements. Pour l'avènement de la science, tout le monde peut être utile, même vous, Parker. Ouais, je vais devoir les tuer. Ah, il a une manière de bouger relativement bizarre. Attendez, je suis avec vous. Hop, tac. Bon, pour l'instant, ça va. On va tenter de prendre un maximum de vitesse, on va tenter quelque chose. La question, c'est est-ce que ça va marcher? Alors là, on va juste avoir un temps de chargement, voilà. Enfin, un temps de chargement. Clink ! Voilà. Je dois m'en aller maintenant, Parker. Non! Amusez-vous bien de mon petit musée des horreurs. Peut-être aurez-vous l'honneur de les rejoindre. Non, il a désactivé le pont! On se reverra peut-être, Parker. Mais je ne vous le souhaite pas. Ok. Allez, on va retourner en autre double. Ok, on tasse. En fait, ces musiques, elles sont bien. Elles m'avaient bien manqué. Bah non. Pourquoi tu m'avais fait ça? Mais bien d'accord, j'avais atteint l'échelle. Hein. Atteint ma plateforme sous-marine. Allez-y, Parker. Allez faire un tour.
pas, vous êtes toujours en vie, le chat. Parker, j'ai réussi. J'ai piraté le réseau de sécurité des labos secrets de Capek. Bravo, Hendrix. C'est là qu'il se dirige, Parker. Il y a une immense installation de recherche en sous-sol. Je n'arrive pas à joindre Eos. J'ai laissé un message à Orion, au cas où elle le contacterait. Ah, il y a encore de la présence. Ça fait plaisir. Ah, une requête, ça suffit, c'est trop bien, ça. Vas-y, il en fallait deux. Il y a un sous-marin, je crois, qui m'attend, là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans ce labo, Parker. De là que vient la peste, c'est certain. La peste marche. Capek étudie la nanotechnologie et en teste les effets sur les êtres vivants. Animaux et humains, Capek s'en moque. La peste est sa création. Soyez très prudents. Genre, ils ont des grenades maintenant. Ah, ça déconne pas. Qu'est-ce qui me tire dessus? Ah, lui là-bas! C'est quoi ça? Non, Parker. Je ne vous facilite pas la tâche. Ah bah merci, Capek. Connard! Je crois qu'il y a une réplique. Ça, par contre, je m'en souviens très bien. Allez-y, Parker. Il y a quelque chose qui a faim. Ouais, par contre, mais j'ai perdu masse de vie. Ah, enfin, d'accord, t'as fait tout le tour. Elle est là. Dans la glissière. Voilà la glissière d'alimentation, Parker. Il y a quelque chose qui a faim. Ah, je sais ce que c'est. De gros trucs là. Ah, j'ai oublié que c'est que, par contre c'était aussi long, on aurait peut-être pas dû sauvegarder tout de suite. Il me semble qu'il y a un mini safe spot sur le côté. Mais je le prends pas parce que c'est un peu trop risqué. Autant claquer toutes nos roquettes. Elles sont là pour ça. Et il y avait juste un truc dont, qui me faisait assez peur. C'est que j'avais peur que justement qu'il se relève. Genre, non, mais non Sérieux, je peux pas remonter? Bah si, attends. Te fous pas de moi. Quand même. J'ai eu peur. Mais oui, finalement, ça me faisait assez flipper. Ah, donc on aurait dû arriver ici tranquille par l'ascenseur. Venez, Parker. Je vous attends.
Ok, on arrive. On va te péter la gueule. Pas une foule, moi. Non, tu n'es pas avec moi, tu es un ennemi. Bienvenue dans mon domaine, Parker. Je suis persuadé que vous le trouverez à votre goût. Yep. Bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas où j'ai atterri, mais quand t'as cuit par un lance-roquette, c'est plutôt pas mal. Allez, mets de la musique, ça fout la pression. Ah, il y en avait un deuxième? Ça par contre, je le savais pas, c'est aujourd'hui, après au moins 15 ans, même plus je pense, que je découvre ça. Véridique. Je savais pas du tout qu'il y en avait un deuxième. Oh bordel! Ouais, je pensais qu'on revenait où est-ce qu'on avait battu, mais c'était curieux. Et là, pouf! Nom de Dieu! C'est très... J'en reviens pas. Ah oh bah non, si tu as plus à ça après, ça va. Et tu sais, le troisième, il sort du sol, il te déglingue la gueule. Purée. Putain, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul pendant... toutes ces années. Ah mais d'accord. En fait non j'ai... Ok. Hop. Ah il a disparu. À mon avis il a dû être ressuscité. Il s'est planqué ici. Ça ne peut être que ça. En fait, c'était juste un gros détour. Ma foi, inutile. Bah, on va revenir sur nos pas. Hein. Salut. C'est moi qui viens de vous sauver la vie et vous dites garde à l'aide. Manger des chèvres. Il était papa, il était là. Non, l'ascenseur! Putain, j'ai pris des dégâts de chute.
T'as rien fait, c'est toi qui as activé l'ascenseur. L'IA est toujours, a toujours de la surprise en réserve. Qui sait, Parker? Il s'agissait peut-être de vos anciens amis. Ouais, non. Moi, j'ai pas d'amis. Pas d'amis. Ne pas frapper vitre. Ah bah. Vous aimeriez peut-être y regarder de plus près. On va peut-être pas le lâcher hein, dans. Comment il est sorti? J'aime bien ce scientifique, il en a rien à foutre de ce qui se passe. Il dit, là, je vais peut-être mourir. Alors, ça de recherche principale, tu dis? C'est bon, je t'ai sauvé. Je suis un héros. Entrez, Barker. Les spécimens les plus prometteurs sont à l'intérieur. Ah ben, je reviens en arrière. Là. Je reviens sur mes pas. Là aussi. Peut-être que si on parle Ewok, il va peut-être se retourner. Je sais pas le faire. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Allez-vous-en. Bah oh, ça va. Genre, je vous sauve. Est-ce que je suis en récompense? Allez-vous-en. Bah, c'est bon, je me casse. Hein. Mais si tu te fais buter, faudra pas dire que c'est de ma faute. Hein. Attends. Tiens, respect. Allez-vous-en, imbécile. Vous ne voyez donc pas ce qui arrive aux mineurs qui tombent sur Capek? Que je demande confirmation, il vient de me traiter d'imbécile. Attendez, je suis avec vous. On est bien d'accord. Oui, il m'a dit imbécile. Ah, on va se marrer. Je pense que c'est plus marrant ça quand même. La pression psychologique. T'inquiète pas, j'ai rien. Toi, tu es très gentil. C'est pas comme ton collègue en haut qui est complètement con. Vous n'avez pas d'autre endroit où aller. Oh, il avait prédit le Covid, il a un masque.
Et pendant le temps, l'autre est toujours en train de gueuler. C'est un ascenseur, ça? Non? Peut-être par là? Oh, il nous a fait une roulade! Ah merde, désolé madame. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Ah, je te ferai pas de mal si tu restes pas dans mon chemin. C'est triste, là, il a préparé sa grenade et tout. Putain, on l'entend encore gueuler. Putain, il a une voix puissante, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, il devrait faire de l'opéra. Son titre... Mais oh, il crève jamais lui. Putain, il meurt pas. On arrive à caper avec